Bienvenue pour ce nouvel sport. Aujourd'hui, nous commençons avec le football. Champion League et Champion Knockout 2017, l'équipe Saint-Louis, pour participer de la compétition CAF pour un club l'Afrique, en bas directive et l'autre l'entraîneur, au lieu que Nigel Frémino parie une Léka de bonne compétition locale sa saison. Ça y a après que Frémino a démissionné sa semaine comme l'entraîneur de l'équipe Saint-Louis. C'est encore une fois une situation license qui s'est entraînée in un an. Et ça qui fait Fédération Football Cécile et CAF y demander dans une bonne régulation qui emmène mésentente entre management Saint-Louis et autres entraîneurs Nigel Frémino. Sati célébration dans l'équipe Saint-Louis samedi le 2 décembre, les temps de décroche sont doublés pour salon 2017 et un autre plus grand accomplissement dans plus de 20 ans. Mais célébration dans le camp Saint-Louis pendant pour longtemps, à peine une semaine plus tard, ça l'équipe est séparée avec les entraîneurs qui n'ont pas d'ailleurs autre succès pour 2017, c'est l'entraîneur Nigel Frémino. Une décision qui amène un peu mécontentement dans l'équipe et il y en a qui demandent l'explication qui peut passer avec Saint-Louis. Manager de Biscay, expliquez. Après qu'ils ont fini par la Coupe, c'est un bon meeting qui m'a pu atteindre la Fédération par l'Afrique. Mais M. Bibin, il y a une forme club licensing qui est remplie. Et qui CAF peut demander. Et pour l'Afrique, il faut des coachs en licence E. Mais malheureusement, nous avons des coachs en licence C. So, mardi, nous faisons un meeting après que nous finissons gagner la Coupe. Nous faisons un meeting avec le management, avec le bon coach. Nous mettons des normes devant les autres, nous mettons des questions devant les autres. Et les autres n'ont pas accepté. Et Nigel n'a pas accepté. Nous avons amené mon licence pour travailler avec. Donc, nous avons décidé de resigner, qui pour moi est très sad. La fois que je connais comme manager, jamais c'est une des années l'intention pour Nigel Frémino. Quand nous avons envie d'y rester, et par amener ça de mon licence, et pour aider pour aller faire ce bon les autres licences, pour lui venir demain plus bon coach qui déjà été. Et pour moi, ils sont sad qui m'ont pété en départ à tous côtés. Pour le moment, l'équipe Saint-Louis dit qu'ils n'ont pas encore gagné remplaçant pour l'entraîneur Frémino, mais il y a l'autre option qu'ils ont peut-être capable de tomber d'accord Lola avec son entraîneur, c'est pour les enregistrer dans un autre portfolio, pareil assistant entraîneur. Définitivement, tu parles avec nous, le whole coaching panel aussi, tu parles avec nous. Présent, c'est ça dit mon lit qui nous pour aider, qui a la licence et nous pour remplir, mais l'ouvrage c'est pour pareil. Mais seulement après qui nous imaginons aussi, fédération aussi nous dit nous qui by 2019, toute une première division faut des jeunes coach licence et. So, nous commençons à préparer nous l'année prochaine qui sa coach licence et pour s'il rester avec nous. Et Nigel, tu prends des studies, c'est quand là il finit faire son coaching course. Nous avons trois dimanches Lola Lis qui m'ont pas, je ne dis pas nom de nom, mais ça bout de Mark Matchot qui m'ont ajouté permettez. Oui, nous avons contact avec Mark qui peut causer mais dans nous 100%. Et pour les moments là, actuellement, moi à mon sein coach. Section Sports SBC a contacté l'entraîneur Frémino pour gagner une réaction, mais pas nous les donne nous une interview. Mais pour gagner plus d'éclaircissement sur sa situation licence bon entraîneur, nous t'y causons avec le secrétaire général de la Fédération Football Cécile, M. Georges Bibi. Il y a un bon critère qui a demandé qui sa bonne fédération pour avancer sur la licence, qui sa bonne club imite. Ok, quand il concerne le personnel administratif, CAF existe dans le club licensing, surtout, qui un coach qui coach the highest team dans nous dans l'association par fédération il besoin dans the highest license coaching qui sa fédération y en a. Il veut dire qui côté côté nous il besoin en au moins un license A. Monsieur Bibi, il confirme qu'il n'y a aucun ordre de l'équipe, Saïd Saint-Louis, ou bien Anse Réunion, qui pourrait présenter Cécile dans une compétition CAF l'année prochaine, pas pour capable faire lui, si je n'ai pas un entraîneur qui certifié avec un license A. Alors, Yann Soyon aussi, vous avez les mêmes affaires. Quand son coach, minimum, par exemple, dit, nous, le côté concerné, nous, Club Licensing Regulation, c'est minimum un license B. Qui pour le moment, et si nous nous régulations, ils demandent minimum licence B, CAF pas accepté. Mais si on n'a pas discrétion, le CAF. Alors nous devons faire ici, qui nous ban club, il y en a encore, il y a un jour avec bonne régulation, bonne critère qui CAF peut demander. Sans fédération, pour un problème. Et demain aussi, si Saint-Louis a allé, par exemple, sa coach n'a pas sa licence, discrétion pour le CAF.
Entre-temps que Saint-Louis essaie de résoudre son problème, la Fédération Football CCL y a intitulé qu'il en est 2018, les autres pouvaient plus essayer en ce qui concerne mettre en application bonne régulation CAF dans Football CCL pour éviter une plus mésentente de bonnes clubs à l'avenir. Bonnes jeunes qui pratiquent canoë polo et plus bien équipés à présent dans autres préparations pour une première licence internationale. Ça vient après que l'association canoeing ait bénéficié avec un lot nouveau l'équipement sa sport. C'était avec l'aide Soga que l'association canoeing a investi dans l'équipement standard qui peut aider à faire canoë polo Cécile venir plus près avec niveau international. Canoë polo est un sport qui doucement peut venir populaire parmi Banzen après que l'association canoeing a fait grands efforts pour promouvoir sa sport dans un des écoles sa de dernière année. Sa l'année, il même commence en une compétition intéressante et pour aider à garder l'intérêt Banzen est nécessaire en un support aussi bien que l'équipement approprié. C'est pour sa raison que l'association canoeing, à travers financement 4 000 $ qui ban fédération et l'association y gagné avec l'association Jeux Olympiques et Commonwealth CCL Soga, ont décidé d'investir dans ban l'équipement standard pour canoë polo. Tide une petite cérémonie sa semaine qui président Soga Antonio Gopal tire mettre ban l'équipement avec chairman l'association canoeing Philippe Albert. Satisfait de présence ban mam Soga et ban zen qui pratique sa sport. Et nous nous rendons à côté de bonnes choses pour nous avoir une activité de venir. Et nous essayons de faire des canoës aussi, des canoës polo. Nous avons des années avant, nous avons dormi. Et nous avons essayé de les bien fort pour nous faire 10 ans 4 athlètes. Il y a des athlètes qui ont fait le racing, il y en a qui ne font pas le racing, qui ont fait le polo. Si nous ne faisons pas de pour autres, nous pouvons aller. Et nous faisons une activité pour autres, qui ont qu'à rester avec nous aussi. Et en même temps aussi, il y a l'association Les Carbons aussi. Nous sommes contents que nous avons un canot. Il peut développer et peut faire progrès. Comment quand même on a l'air, on dit qu'il progrès, il y a pilon, il y a progrès, il peut gagner la Sicile. Alors si nous gagnons pour nous aider, nous avons commencé. Aujourd'hui, nous sommes très loin. Nous avons fait plus encore. Mais tout le temps que le sport gagne l'assistance, pour progresser bien et nous féliciter pour les progrès. Bon équipement est varié, pareil protection pour la tête, pagaille, boule et les autres. Bon invité est capable de voir qui manière bon l'équipement il gagne servi et bientôt sa bonne zen pour capable tester sa bonne nouveau équipement de son endroit approprié, bien si ça est dans la baie côte Sail Training Scheme Roche Caïman. Sa bonne nouveau équipement pour canoë polo il vient d'un moment approprié là qui l'équipe peut préparer pour elle participer dans une licence régionale avec la Réunion. Pour le moment, on va faire un peu de sport pour aujourd'hui. Merci pour qu'ils nous suivent.